continue de défendre les droits vivants dans ces pays. Et puis une deuxième, vous avez sur vos tables hein, les biographies de chacun, nous avons aussi parmi nous un avocat, un spécialiste fort, que tous les victimes de l'amiante connaissent particulièrement, on va dire, Jean-Paul Tessier, puis Bernard Thibault, je ne sais pas si vous vous présentez ou non, et qui interviendront sur le corpus du droit sur le cas singulier, sur les normes du droit international produites par le juge. Nous aurons cet après-midi une réflexion sur les moyens d'agir. Fabrice le rappelait, en convergence entre les associations à la fois consommateurs, de défense du droit et les organisations syndicales, il est bien évident que l'état des lieux qui proposait ce matin et la réflexion sur la façon d'agir cet après-midi, en fait, c'est une séparation un peu artificielle et que chacun pourra être amené à intervenir tant sur l'un que sur l'autre. Alors, d'abord, j'ai évoqué, comme camarade, enfin, j'ai